Bonjour, là, vous êtes Place de la République. En ce moment, il y a la cérémonie officielle pour le 8 mai. Et vous êtes ici avec plusieurs Algériens pour commémorer aussi, mais à votre manière. Alors, vous pouvez m'expliquer ? Oui, à ma manière, parce que déjà à 9 ans, je venais de récupérer mon père, qui était prisonnier en Allemagne. Et puis, dans les 48 heures après, il y a eu le massacre de 1945, le 8 mai 1945. Pour un jeune de 9 ans, vous savez, eh ben, j'ai été marqué pour la vie. Et je suis en France ici depuis 56 ans. Je suis venu jeune, étudiant, en 1956. Et 56 ans après, on est en 2012. Vous voyez, ben, je n'arrive pas à oublier. Et il faut que, peut-être que la France vienne de choisir le changement. Et nous aussi, nous aspirons au changement. J'espère que les deux pays finissent par s'entendre et tourner la page de cette histoire qui est lourde pour tout le monde. Le changement, excusez-moi, le changement en France, mais aussi dans votre pays, je suppose. Dans mon pays, justement, parce que nous aspirons au changement et aussi à une vie paisible. Et malheureusement, cette tare, cette histoire-là, elle n'a pas été résolue de façon humaine. Et bien, sincèrement, j'aimerais que les deux gouvernements reviennent et discutent sincèrement pour trouver une solution définitive à ce pénible passé. Ouais. Oui, et je pense que c'est effectivement plus possible maintenant qu'avec ceux qui prétendaient parler de ce que la France avait fait de positif, n'est-ce pas, en Algérie. Pendant 132 ans, on cherche encore. Oui, mais vous savez, un bilan, il y a le plus et le moins. Voilà. Le malheur, c'est qu'il y avait plus de moins que de plus. Exactement. Le bilan était catastrophique. Enfin, heureusement que nous aimons la France, que nous l'aimons. Et nous tenons à ce que les liens soient sérieux. Sérieux et honnêtes. Et limpides. Voilà ce que nous aspirons. Peut-être avec le changement actuel et la mutation que l'Algérie va vivre d'ici une semaine aussi, puisqu'il y aura le vote. Également, en Algérie, on vote. Le 8, 9 et le 10, à partir d'aujourd'hui en France. Eh bien, nous souhaitons quand même que maintenant les bonnes consciences prennent le dessus et arrêtent et terminent ce passé très, très, très négatif pour les deux pays. Et on a vu tout récemment dans la campagne électorale que c'est un enjeu encore en France parce qu'il y a eu par exemple des gens à droite et à l'extrême droite pour regretter qu'il y ait des drapeaux, comme ils disent, de pays étrangers agités place de la Bastille. On a vu le drapeau syrien, des insurgés, le drapeau algérien, le drapeau irlandais, le drapeau grec, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, cette affaire des drapeaux? Écoutez, sincèrement, moi je pense que c'est peut-être une parabole. Hein. Le drapeau, c'est un peu le cœur. C'est pour dire aux Français que nous sommes différents, mais que nous vivons ensemble, pour le mieux vivre ensemble. Donc faisons un effort, s'il vous plaît, faisons un effort. Il y a des générations montantes qui arrivent, et la génération montante, elle est très fougueuse. Et on a du mal à la juguler. Donc du moment que les gens choisissent de vivre dans des pays soi-disant avancés, démocratiques, eh bien, il ne faut pas les décevoir. Alors, ils ont le statut peut-être binational, mais... Pas toujours, c'est des Français, souvent. Ce sont surtout des Français, oui. Et qui ne connaissent même pas leur pays, oui. Mais qui revendiquent à partir du respect de leurs parents. Voilà. Oui, c'est ça le... Bien, et bien, on espère qu'il y aura du respect mutuel bientôt. Non, bientôt, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. Nous sommes en train de travailler, de créer des passerelles. Nous venons de créer une fédération judéo-musulmane. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte... Que tout le monde vit dans le passé. Et on néglige le présent. Alors maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous vivre notre temps. Vous voyez, revenir en arrière, ça c'est l'affaire, que je dirais entre parenthèses, une affaire de Dieu. Il va nous juger sur ce que nous avons fait. Il n'y a pas de raison qu'il me juge sur ce qu'ils ont fait les autres. Ouais. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Ça va être divisé à la radio? Ah bah, c'est avec votre accord.